bonjour à vous tous et merci d'être là par ce dimanche, ce beau dimanche matin de vacances en plus. Hein, selon la formule consacrée, on dit toujours Philippe Apelois qu'il n'est plus besoin de présenter ici. C'est vrai, Philippe est quand même à nos côtés depuis plus de 18 ans, mais pour ceux qui le rencontrent pour la première fois, je vais quand même le présenter très sérieusement et je vais lire parce qu'il a un cursus tellement important et il viendra à mon secours quand je vais prononcer tout. Alors Philippe Apelois a étudié à l'École supérieure des arts appliqués du Perret à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. En 1983 et 1985, il effectue deux stages, dont un très très important, déterminant, c'est celui d'Amsterdam. Et chez Total Design. En 1985, il est engagé comme graphiste par les musées d'Orsay à Paris. En 1988, il part à Los Angeles, travailler avec April Greyman. Et en 1993, il est pensionnaire à la Villa Médicis. Ça, c'était quand même une belle récompense, déjà. De 92 à 98, il enseigne la typographie en ENSAD à Paris. Et de 1999 à 2003, Philippe Apelois est recruté par la Cooper Union School of Art de New York en tant que professeur de design graphique et devient conservateur du... Alors, je préfère te le laisser dire. Du Herb Le Bellin Center. Voilà. Alors, je fais un petit arrêt sur ces années-là, parce que 1999, nous avions déjà commencé à travailler depuis 1997 ensemble, puisque ma première rencontre avec Philippe s'est faite sur l'affiche Chicago. Vraiment, ça a été une rencontre, hein, comme on rencontre un poète, comme on rencontre un écrivain. Voilà, on s'est rencontrés, et à partir de là, j'ai dit, c'est avec lui que je travaillerai pour la fête du livre. Et c'est vrai que ma première affiche avec lui, c'est l'Afrique du Sud. Mais je reviens quand même sur 99, parce que Philippe était à New York quand moi j'y suis allée pour y rencontrer Philip Roth, qui a été une année très importante pour nous deux. C'était incroyable qu'on se rencontre, on se connaissait bien sûr, mais donc je trouve que ça donnait quelque chose de plus. D'abord, ça c'est des liens d'amitié indéfectibles, cette rencontre le 11 septembre en plus, avant que ce fameux 11 septembre, et voilà, je voulais le situer. Et c'est... Ensuite, je vais continuer parce qu'il n'a pas fait que ça. Et il a créé, entre autres, l'identité visuelle au Théâtre du Châtelet à Paris en 2006, des musées de France en 2004 et celle du Louvre à Abu Dhabi en 2013. Et comme vous le savez sans doute, il a eu cette grande exposition rétrospective de son travail qui n'est pas rien. C'est une expression que j'emploie en ce moment et qui couronnait un petit peu tout son travail de toutes ces années. Et Typo Apelois s'est fait dans ce prolongement de cette exposition. On a souhaité non seulement exposer les affiches de la fête du livre, parce que ça c'est évidemment c'est le plus grand écho qu'on puisse avoir ici, mais aussi d'autres formes de son travail et tout, qu'il va vous montrer tout le processus de création qui a été fait pour arriver à ce résultat. Voilà Philippe, je lui redis toute ma reconnaissance, toute mon amitié, lui dire que comme je le dis, je le répète, mais c'est bien de redire les choses qu'on aime redire, c'est qu'une fête du livre, les affiches de Philippe, c'est le signe de la fête du livre. Dès que l'affiche est faite, je l'ai dit l'autre jour pour l'inauguration, mais il va le dire aussi, c'est d'abord le titre, et puis c'est l'affiche, et quand on parle des fêtes du livre antérieures, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? C'est l'affiche. Voilà, on se dit, tiens, Toni Morrison, et on voit l'affiche, Philip Roth, voilà. Donc ça, c'est vraiment le signe de la fête du livre. C'est une complémentarité artistique, intellectuelle, littéraire, qui est très très forte et qui emplit toutes ces années. Philippe, je te laisse la parole. Oui, merci. Hein? Ok, bonjour. Alors, j'ai apporté de Paris ma trousse à outils. Voilà, j'ai laissé l'ordinateur à Paris. On travaille sur ordinateur, mais aussi beaucoup à la main, en faisant des dessins, des gribouillis, des esquisses qui sont plus ou moins abouties. Mais je voulais vous dire avant tout que le graphic design, c'est vraiment la visualisation d'un concept, c'est-à-dire trouver une idée et la mettre en forme. Donc c'est la conjugaison de la forme et du sens.
Dans cette présentation, j'ai fait une sélection d'un certain nombre de travaux qui ne sont pas forcément présentés dans la galerie à côté, mais aussi qui vont vous faire comprendre, j'espère, le processus de création et en même temps les différentes sources d'inspiration qui sont les miennes et qui souvent viennent de la peinture. La première image que je vous montre, eh bien, je pense à beaucoup d'entre vous qui ont peut-être une vingtaine d'années, et je crois qu'à 20 ans, on se cherche, on ne sait pas trop où on va aller. Et eh bien, moi-même, lorsque je suis rentré aux arts appliqués, j'avais à peine 20 ans, je ne savais pas quoi faire. En tous les cas, je n'avais jamais eu l'idée que je ferais du graphisme, et je voulais faire du théâtre, de la peinture, quelque chose dans les arts du spectacle. Or, à l'école, avant de passer le concours, on devait choisir la section qu'on voulait faire. Et je l'ai choisi par déduction, à savoir que j'ai mis de côté le textile, le stylisme et l'architecture d'intérieur. Et ne restait qu'une section un peu bizarre qui s'appelait expression visuelle. Et j'ai choisi ça, sans savoir que ce serait du graphisme. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas vraiment de mots pour dire graphic design. Design graphique, même encore aujourd'hui, on ne sait jamais vraiment comment le nommer. Dans certaines écoles, on appelle ça communication visuelle, etc. Toujours est-il, c'est que dès la première année aux arts appliqués à Duperret, Paris, j'ai eu des cours de calligraphie. Alors on a travaillé beaucoup la lettre à travers le dessin, le tracé, et de là, ce professeur qui s'appelle Roger Druet, qui est un éminent calligraphe, m'a encouragé à prendre rendez-vous avec une agence à Amsterdam qui s'appelait Total Design, que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, je ne connaissais pas grand-chose d'Amsterdam, à part la peinture flamande, enfin bon, voilà, de Rembrandt à Van Gogh. J'avais aucune idée, par exemple, que Mondrian puisse être néerlandais. J'étais persuadé qu'il était russe. Donc, pour vous dire la part d'ignorance qui était la mienne. En tous les cas, lorsque je suis arrivé à Total Design, j'ai fait, vous voyez, en 83, j'ai fait ce rapport de stage parce que les 3 mois que j'ai passé là-bas ont été déterminants et m'ont vraiment guidé dans le modernisme et surtout la possibilité de m'exprimer par les lettres. Vous voyez à gauche une affiche avec le logo TD, Total Design, qui était un logo qui a été créé donc, au moment dans les années 70, lorsque cette agence a été fondée, entre autres, par Wim Crowell. Wim Crowell étant un des grands papes du design moderniste néerlandais. Et à droite, vous voyez une autre affiche qui célébrait les 25 ans de Total Design dans les années 80. Donc, excusez-moi, la première, elle doit dater des années 60. Mais en attendant, je suis arrivé comme stagiaire chez Total Design au moment où il célébrait les 25 ans de l'agence avec une exposition à Breda. Et vous voyez l'utilisation du logo dans une autre mise en scène, j'aimerais dire beaucoup plus dynamique, où déjà s'inscrit l'utilisation des nouvelles technologies, à savoir que c'était les débuts d'utiliser l'ordinateur comme un outil de travail. Et c'est une des choses que j'ai vues là-bas et qui m'a énormément appris. Et je me suis rendu compte que toute la chaîne graphique allait être bouleversée par l'introduction des nouvelles technologies. En même temps, vous vous rendez compte peut-être par le mot ontwerp, qui veut dire design en néerlandais, total design, le fait que ce mot-là soit composé dans un caractère typographique qui s'appelle univers, mais avec toutes les variantes possibles, l'italique, le gras, le mec, le condensé, etc. Alors ça donne aussi une idée des variations possible avec un nombre limité. Et ça, dans la typographie moderniste, c'était quelque chose de très affirmé, de très fort. C'est comme une forme de manifeste, finalement. À gauche, vous avez une affiche de Wim Crowell, Formgewirrt, veut dire design, et aussi en néerlandais. Et Wim Crowell a dessiné cette affiche en 1968 pour le Stedelijk Museum, qui est le musée d'art moderne de Amsterdam. Et lorsque, il y a quelques années, le Design Museum de Londres a fait une rétrospective sur son travail, ils ont demandé à quelques designers dont l'influence de Wim Crowell était importante, pour qui cette influence avait été déterminante, et bien de recréer une affiche en utilisant cette grille. L'idée de la grille de mise en page, c'était quelque chose de fondamental dans la philosophie qui était développée chez Total Design, à savoir que toutes les informations devaient être
ordonnancées selon des fondations, j'ai envie de dire visibles ou invisibles. C'est-à-dire que cette grille pouvait être montrée ou absente. Et bien là, elle est revendiquée, elle est montrée et elle donne naissance à une typographie expressive et contemporaine. Et de mon côté, en 2011, donc, je me suis servi de ce qu'on appelle les gouttières, c'est-à-dire les espaces infimes qui existent entre chacune des colonnes pour tracer une typographie filiforme et pour reproduire le titre de cette exposition qui s'appelait Graphic Odyssey. Ça, c'est autre chose. J'essaie d'avancer aussi dans le temps, à savoir qu'après ces deux stages déterminants, je suis parti en 1983, j'ai fini les études à Paris aux arts appliqués, je suis rentré effectivement aux arts déco, troisième année, et j'ai poursuivi mon cursus après en repartant aux Pays-Bas pour un second stage, suite à quoi j'ai été engagé par le musée d'Orsay à Paris, qui était en construction à l'époque, et on préparait donc l'ouverture de cet énorme vaisseau qui était consacré au 19e siècle, mais à la deuxième partie du 19e siècle, de 1848 à 1914. Lorsque le musée a ouvert en décembre 86, tout le monde a été extrêmement surpris de voir que ce musée, qui était tant attendu, ne couvrait pas seulement le monde de la peinture, mais également toute forme d'art, à savoir les arts, la sculpture bien sûr, puisque toute la nef était envahie de sculptures sans une seule peinture, mais aussi bien sûr la photographie, c'était les débuts de la photographie, le cinéma et l'architecture. Si bien que la première exposition organisée l'année suivante, fin 1987, au musée d'Orsay, première exposition temporaire, est consacrée à l'architecture, d'un autre pays. Et pourquoi Chicago? Parce que Chicago a été détruit par un incendie à la fin du 19e siècle, a été reconstruit, s'est trouvé être un grand laboratoire pour les architectes et les ingénieurs de l'époque qui ont expérimenté l'utilisation des premières poutrelles métalliques pour la construction des gratte-ciels, les 10 premiers gratte-ciels de l'humanité, de l'histoire de l'art. Et vous voyez cette photo qui vient de l'Art Institute de Chicago où on perçoit déjà l'ambiance de ce que seront les villes nouvelles. Par essence, enfin, Chicago étant devenu l'emblème du monde de demain. Et on m'a donné plusieurs images de Chicago à l'époque, avec des architectures de Burnham, Sullivan, et j'ai beaucoup apprécié ces images de rue, parce qu'elles donnaient aussi une ambiance qui me faisait penser à celle de certains films, une ambiance jazzy également. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, j'avais l'idée d'intégrer la typographie à l'intérieur de la rue pour faire en sorte qu'elle soit perçue comme un coup de vent, puisque Chicago est connue comme The Windy City, la ville des vents. Elle est au bord du lac Michigan et il y fait très froid et elle est battue par les vents. C'est quand même une des légendes qui n'en est pas une, parce que c'est une réalité de Chicago. Alors, je voulais faire en sorte que la typographie s'intègre complètement dans cette perspective et accentue l'idée de vertige, d'où la transformation en trois dimensions du texte, du titre, et en même temps de donner en effet une illusion de profondeur dans un support en deux dimensions. J'ai commencé à la main, vous voyez ces photos, et puis j'avais su chez Total Design qu'il existait des logiciels informatiques et des systèmes informatiques permettant la déformation de la typographie sur ordinateur. C'était un système à la fois extrêmement sophistiqué mais très lourd. Il a fallu que je me rende en Suisse à l'époque pour le faire, et j'ai eu l'idée non seulement de déformer cette typographie, d'orienter la photographie elle-même pour accentuer l'idée de vertige, et de plier la dernière syllabe go, qui était comme un appel pour inviter le visiteur à se rendre au musée d'Orsay. C'est une affiche qui est devenue emblématique. Je m'en suis pas rendu compte au début, sinon c'est d'ailleurs, ça fait partie des choses assez magiques de ce travail, c'est-à-dire que on est toujours en amont des événements. Quand on travaille, quand on crée, on a un certain nombre d'informations, mais finalement limitées. Surtout, on ne voit pas ce qui va être montré pour une exposition. De la même façon que lorsqu'on fait une affiche pour un spectacle, on ne connaît pas le spectacle. Le spectacle n'est pas monté. Eh bien, je n'avais pas idée, quand j'ai fait cette affiche, qu'elle deviendrait emblématique, déjà par rapport au sujet de Chicago, de cette ville nouvelle, et en même temps de l'équilibre
que j'ai réussi à trouver entre typographie, image et l'idée du mouvement, comme si on était mis en arrêt devant quelque chose. Et ça, ça lui a donné certainement sa singularité, le fait qu'elle soit devenue mémorable. Je vous ai parlé de Mondrian. J'essaie de revenir en arrière. Voilà. Mondrian, qui était le leader du groupe du mouvement de Stiel aux Pays-Bas et qui a été évidemment déterminant dans l'esthétique moderniste néerlandaise. Ça, c'est une peinture de Bart van der Leck qui est moins connue, mais qui est à la fois un peintre, un designer. C'est-à-dire que tous ces artistes de l'époque avaient la possibilité de toucher à tout. Ce n'était pas cloisonné, il n'était pas forcément seulement peintre. Et Bart van der Leck est beaucoup intervenu aussi dans l'architecture d'intérieur, dans le design graphique. Et ce genre de peinture où le vide devient actif, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la forme qui est présente, mais c'est aussi la contre-forme, c'est-à-dire tout l'espace qui se passe autour des formes, les tensions qui existent comme ça. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris aux Pays-Bas, c'est-à-dire à voir ce qui, a priori, ne demande pas à être vu ou n'est pas montré, le vide. De la même façon que les constructivistes russes, comme la couverture de cet ouvrage de bibliophilie par Lissitzky, alors a été déterminante parce que je me suis dit, bah tiens, on peut dire beaucoup de choses avec des formes, simplement avec des formes, la façon dont on les combine les unes aux autres dans l'espace, comment l'espace est agencé, comment on voit justement, comment on peut donner à voir le vide. Et dans les premiers travaux que j'ai faits pour des spectacles, j'essaye, ça ne marche pas. Non, Léo Gonstein qui travaille avec moi, il y a Yannick James, on est trois, voilà, comme ça. Voilà, donc je vous ai montré Bart van der Leck, Lissitzky, et voilà des applications indirectes de travaux qui ont été faits fin des années 80, lorsque je suis revenu des Pays-Bas pour un festival de musique et de danse qui s'appelait le Festival d'été de Seine-Maritime, qui avait lieu à Rouen, entre Rouen et Le Havre. Alors c'était une vraie guerre quand je suis arrivé là-bas, savoir que évidemment ils étaient déjà confrontés à des problèmes de communication. Alors c'était la danse, même danse contemporaine, musique, mais par tradition, ben, la musique, on mettait la photo, un dessin de violon, et puis pour la danse, on mettait une ballerine ou des chaussons de danse, et puis voilà. Alors je me suis dit, on va peut-être faire autrement, et tu vois, ça va vite. Hein. Donc, non, ben voilà. C'est... Alors, bref, d'essayer par l'abstraction d'exprimer ou d'accompagner en fait ces recherches de mouvement dans la chorégraphie contemporaine et uniquement par des formes, comme vous pouvez le voir. En 1987, le logotype Festival d'été, dont j'avais gardé uniquement les initiales, le F capital et le E en bas de casse, le F capital dans un caractère italique Times, qui reflétait la dimension, j'ai envie de dire, classique de la programmation musicale, et le E en bas de casse, en univers, un caractère typographique moderniste, qui, lui, se faisait l'écho de la danse contemporaine, la combinaison des deux avec les accents qui étaient les accents, les apostrophes qui étaient des éléments de couleur qui devenaient ludiques. Alors bon, une carte de vœux, le programme, tu peux montrer, voilà, avec des mises en page qui devenaient animées. C'était vraiment le désir pour moi d'aller au-delà de la mise en page traditionnelle avec des systèmes de titres en haut, centrés, mais justement de briser les codes de l'écriture. Après, l'image que je vous montre après, ce sont des images emblématiques pour moi, parce que la danse contemporaine a été extrêmement une source d'influence extrêmement déterminante. Et je trouvais que comment les chorégraphes traçaient des traits dans l'espace, des lignes dans l'espace, par les déplacements des danseurs, mais aussi toute cette abstraction qui se développait sur scène avait été déjà, en tous les cas, développée au Bauhaus. Et à un moment ou un autre, tous les gens qui s'orientent vers le design se laissent contaminer par le Bauhaus. Quand vous voyez ce qu'a fait Oskar Schlemmer en 1927, ce qu'on appelle la danse des bâtons, ici, vous rendez compte déjà du prolongement du corps à travers, par des lignes,
dans l'espace, et en même temps de l'extrême prise de risque, j'ai envie de dire, de mélanger le mouvement, le corps humain, l'abstraction et l'espace. Et que tout ça réuni a été après développé très fortement par les chorégraphes américains, comme on peut le voir ici sur cette image de Alvin Nikolaïs, où les danseurs utilisent simplement des rubans pour tracer des lignes. Et c'est une chorégraphie qui date, je crois, de la fin des années 50 et qui reste encore aujourd'hui extrêmement actuelle. Eh bien, en regardant ces chorégraphies, j'ai pu moi-même essayer de tirer ces parties pris formelles et en même temps d'avant-garde, je veux dire, qu'on pouvait aussi retrouver dans la musique, je pense à John Cage par exemple, dans l'utilisation de la typographie, faire en sorte que la typographie, eh bien, elle devienne elle aussi soit en mouvement expressif et qu'elle trace comme ça des lignes dans l'espace. Octobre fait danser la saison et Octobre ouvre la saison en musique. C'était deux affiches pour ce festival d'été qui est devenu Octobre en Normandie, parce que en Normandie, ils se rendaient compte que l'été, tout le monde allait dans le sud, vers chez vous. Donc, alors, ils ont transformé Octobre, Festival d'été, c'est devenu Octobre en Normandie. Ça s'est passé à la rentrée, ça avait plus de sens pour eux. Et les affiches que j'ai créées à cette époque, uniquement avec des caractères massifs que j'avais dessinés moi-même, parce que là, j'ai commencé à me lancer dans le dessin de caractères. Après avoir travaillé à Nîmes, d'ailleurs, j'en reviendrai peut-être, mais l'idée, c'était de faire des dessins en me servant simplement d'un cahier, un carnet de notes, et de remplir méthodiquement des carrés blancs, noirs, sur une grille tout à fait ordinaire, et de là, de créer des caractères qui soient utilisables pour des affiches, donc pas des caractères dits de labeur, mais des caractères de titrage. Et à partir de ce moment, de cette année, puisque j'étais à la Villa Médicis, c'était au début des années 90, j'ai commencé à développer tout un travail autour de la lettre qui défie la lisibilité, j'ai envie de dire, comme on voit sur les affiches après. Tu peux montrer si ça marche. Voilà, on va le voir. En tous les cas, d'utiliser la lettre comme une image. Et par exemple, lorsqu'on m'a demandé de faire une affiche pour promouvoir l'œuvre intime du sculpteur Henri Moore, eh bien, ça a été une forme de combat, je dois bien dire, avec la galerie qui, elle, souhaitait absolument montrer le portrait d'Henri Moore, me disant que c'est ça, l'œuvre intime d'un artiste, et de montrer l'artiste. Bon, certes, mais enfin, Henri Moore, personne ne sait à quoi il ressemblait. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont beaucoup travaillé sur leur image. On pense à Dali, on pense à Picasso, bien sûr, mais aussi Andy Warhol, peut-être. Bon, qui sont devenus des figures emblématiques par leur image médiatique. En revanche, Henri Moore était quelqu'un de beaucoup plus réservé par rapport à lui-même, et il s'est rarement montré, donc si bien on ne savait pas à quoi il ressemblait. Alors, je suis allé dans sa maison, que vous avez vue, qui est dans la banlieue de Londres, à Much Adams, et qui est une maison tout à fait ordinaire, mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'aux alentours, il avait installé ce genre de sculpture. Donc son vocabulaire artistique et la combinaison de l'installation de ses sculptures en plein air autour de son lieu de vie, donc de son intimité, avait créé une tension particulière. Et c'est ça que j'ai voulu révéler dans l'affiche, à savoir que plutôt que de reproduire une œuvre ou le portrait de l'artiste, eh bien, c'est la typographie qui devient expressive et qui, par l'association des lettres Henri Moore, fait penser au vocabulaire sculptural de l'artiste. Et derrière, vous voyez la maison comme un fantôme, j'ai envie de dire. Cette image avait d'ailleurs été reproduite sur la façade de la galerie. Un autre exemple, c'est la construction du Havre. Lorsque, au début des années 2000, la ville du Havre a reçu le label de patrimoine mondial de l'humanité, je crois, par l'UNESCO, on m'a demandé de faire une affiche. Enfin, on m'a demandé parmi d'autres de participer à un concours pour faire une affiche. Et j'ai raté le concours, mais j'aime bien l'affiche. Alors, c'est pour ça que je vous la montre. Parce que des fois, dans ce genre de métier, il faut savoir rater et accepter qu'on rate alors qu'on pense qu'on a bien fait. Mais là, je pensais avoir bien fait.
J'avais regardé les images de construction du Havre et je m'étais rendu compte que cette architecture de Perec avait toujours été considérée comme extrêmement froide, voire brutale. En fait, il y avait une sorte de poésie dans la régularité ou l'irrégularité dans la régularité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout se ressemble et en fait tout est différent. Un peu comme on le retrouve dans la musique répétitive ou même la danse répétitive, c'est-à-dire que les proportions de chacun de ces immeubles sont particuliers. Et j'ai dessiné la silhouette des immeubles comme des pictogrammes, donc très très simplifiés, et je les ai superposés, et ça donne cette vibration. Alors, en apportant cette vibration, en faisant voir que rien vraiment n'est pareil, eh bien, ça révèle aussi tout un lyrisme, j'ai envie de dire, dans l'architecture. Et puis, par ailleurs, le choix des trois couleurs primaires qui révèlent le modernisme, le jaune, le rouge et le bleu, alors qu'en réalité, c'est du béton tout gris, eh bien, c'est aussi une façon de montrer que l'architecture de Perret était un véritable manifeste pour le modernisme. Par ailleurs, vous voyez une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment intégrer le texte dans une structure. Il y a évidemment l'idée de la trame, de la grille, etc. Mais j'aime bien compter le nombre de lettres, par exemple, et me rendre compte que le hasard va me donner des mises en place de la typographie qui vont être parfaitement équilibrées. On le voit dans le titre Patrimoine mondial de l'humanité, où chacune des lettres s'intègre dans les fenêtres qui, se superposant les unes les autres, deviennent noires et la typographie est blanche. Voilà, IUAV, alors en italien, ça veut dire Institut universitaire d'architecture de Venise. Cet institut a célébré son 70e anniversaire il y a de cela quelques années et ils ont souhaité un nouveau logotype. Donc on était quelques-uns à œuvrer sur ces quatre lettres et je les ai manipulées en me disant mais qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux les associer. Alors, tout de suite j'ai pensé, vous voyez dans le A ou dans le V qui est en train de se tracer sur l'écran, l'idée d'utiliser le Bodoni qui est le caractère typique italien ou alors de le combiner avec une autre typographie comme on vient de le voir. Mais je ne savais pas comment je pouvais trouver quelque chose de particulier sur ces quatre lettres. En utilisant des lettres positives, négatives, j'avais un problème avec la lettre I pour qu'elle soit perçue comme une lettre. Donc je me dis qu'il fallait qu'elle soit en bas de casse avec le petit point dessus du i, en trouvant des ligatures, essayer de trouver des liens entre elles qui fassent qu'il y ait une évidence. Et rien ne venait. Je savais qu'il y avait des solutions intéressantes jusqu'au moment où je les ai mises les unes au-dessus des autres, alors que les caractères latins sont faits pour être lus de gauche à droite et pas de haut en bas. On n'est pas en caractère chinois. Mais en les plaçant les uns au-dessus des autres, la première fois, puis en abandonnant son idée et en y revenant après, je me suis rendu compte que ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles étaient symétriques. Vous allez le voir, c'est-à-dire qu'on pouvait les lire dans un sens comme dans l'autre. Alors je me suis dit, mais là voilà, il y a quelque chose, il faut l'exploiter. Et pour moi c'était très important parce que par ailleurs ça faisait référence à l'une des œuvres que je considère majeure dans l'histoire de l'art moderne, c'est la colonne sans fin de Brancusi. Pourquoi elle est emblématique? Parce que elle est à la fois formelle et conceptuelle. Elle est sans fin. Elle fait penser aussi à l'art primitif, c'est la colonne qui soutient le ciel, et en même temps c'est peut-être aussi les débuts du minimalisme, de l'art répétitif, donc ça recouvrait tout ça, à la fois le concept dans la recherche artistique, la colonne qui est par essence un des éléments architecturaux. Donc il y avait l'art et l'architecture, à savoir que dans cet institut à Venise, on y enseigne pas seulement l'architecture, mais aussi toutes sortes de formes d'art. Donc j'aimais cette référence à la colonne sans fin de Brancusi. Et de fil en aiguille, donc j'espère qu'on peut voir la suite. En tous les cas, les lettres ont été superposées les unes au-dessus des autres, avec entre chacune d'entre elles des traits, vous allez voir, voilà, des traits qui sont comme des méridiens. Et après, le problème, c'était de trouver une typographie où la lettre I ait la même densité que les autres lettres.
donc ce qu'on appelle des lettres monospace. Vous voyez qu'il y a toujours l'idée de la grille virtuelle dans laquelle chaque élément se place, cette grille qui permet de trouver un équilibre parfait. Voilà, voilà comment le logo a été dessiné, et c'est une des raisons certainement enfin, pour lesquelles j'ai gagné ce concours, parce qu'il y avait une évidence parfaite. Voilà. Voilà, on voit la grille qui s'enlève, le logo, et on voit que les lettres peuvent s'orienter dans un sens comme dans un autre, où elles sont lisibles. Et je trouve que ça, c'était très fort aussi pour l'architecture, comme si on pouvait tourner autour, comme s'il y avait, que c'était un relief par essence. Alors après, me voilà arrivé à Aix-en-Provence en 1996, où je rencontre Annie Terrier grâce à Gilles Eboli, qui est le président de cette fête du livre. On va y arriver. En attendant, l'Afrique du Sud, lorsqu'il m'en a été, on m'a donné le thème, Annie m'en a parlé. Les premières choses qu'elle m'a montrées, c'était des images de manifestations à Soweto, à Pretoria, puisque cette fête du livre en 97, j'espère ne pas me tromper, m'a été organisée 3-4 ans après l'abolition de l'apartheid. Et donc, tout de suite, j'ai eu l'idée moi-même de refaire à ma façon des panneaux comme ça, de revendication, des panneaux faits main, en me disant que ben, l'affiche, ce sera un panneau de manifestation. Voilà, alors ça, c'est les premières étapes. J'ai montré ça, j'ai montré toutes les possibilités qu'on pouvait faire autour de cette calligraphie fait maison. Et Annie n'était pas convaincue, moi non plus d'ailleurs. Alors on était bien embarrassés, on avait la question à faire, mais on ne savait pas trop. Alors là, c'était la panique, le temps avançait. Et puis, il y a toujours un moment ou un autre, par les voyages, je trouve que les voyages permettent d'ouvrir des fenêtres sur l'imaginaire. Eh bien, me trouvant aux États-Unis, je tombe sur ce tableau d'un de mes artistes favoris qui s'appelle Ezra Kelly. Eh bien, ce tableau d'Ezra Kelly, qui est juste un assemblage de hachures comme ça, noir et blanc, donne l'idée de vibration, de mouvement. Et par là, en regardant cette œuvre, j'ai trouvé l'idée de l'affiche. À savoir, je me suis dit que l'affiche, elle devait être divisée en deux parties, noire et blanche, partie égale, et qu'au centre de cette affiche, eh bien, j'allais reproduire ce motif des rayures. Au début, peut-être sur toute l'affiche, mais à un moment, parce que je n'avais toujours pas abandonné vraiment mon idée de calligraphie, j'étais quand même très attaché à ça. C'est difficile aussi de se séparer d'une idée, parce qu'on a l'impression qu'on va y arriver. Et puis à un moment, il faut savoir éliminer, en fait. Dans le processus, il faut savoir se débarrasser de ce qui est peut-être superflu ou de là où on n'arrive pas, là où ça devient une impasse. Et de fil en aiguille, donc l'affiche a été créée comme ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, elle est séparée en deux parties, noire et blanche. Et au centre, il y a ces rayures qui font penser à toutes sortes de choses. À la fois, peut-être, je dirais, des barreaux de prison, des livres posés sur une étagère, mais c'est aussi les zébrures de la nature africaine. Mais évidemment, avant tout, je dirais presque, de la mixité des populations, là où le noir rencontre le blanc, là où les gens peuvent dialoguer, communiquer, s'affronter, se rencontrer, et ça évoquait tout ça. Et je crois que voilà comment on arrive, dans ce cas-là, à visualiser un concept et à rendre une image mémorable. Voilà. Alors après, l'année suivante, ou quelques années après, Philip Roth est arrivé, Annie l'a évoqué, il est arrivé ici comme invité d'honneur, et il a... Alors je suis reparti sur la typographie, parce que c'est lui qui a donné ce titre, The Roth Explosion, pour vraiment faire référence à cette œuvre littéraire très prolifique. Et je me disais que les lettres devaient signifier, voilà, cette abondance littéraire, cette explosion créative dans la littérature. Mais il a souhaité avoir son portrait. Alors ce portrait qui nous a été donné par Nancy Crampton, qui est une de ses photographes. Et là, j'étais très embarrassé, parce que je suis là. Mais aussi beau soit-il, on a l'impression d'avoir une photo d'identité. Et je me disais, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec ça, parce que je trouvais que d'un seul coup, ça amenait quelque chose de statique. Alors, comme je vous l'ai expliqué avant, moi, j'aime bien quand il y a du mouvement dans une affiche, dans un support en deux dimensions, et en même temps, le titre amenait l'idée de mouvement. Donc, je vous ai parlé de sculpture aussi. Alors, je me suis dit, comment je peux, avec la typographie, essayer de modeler son visage? Et
comme c'est quelqu'un qui a quand même une œuvre très obsessionnelle, avec des thèmes récurrents, avec beaucoup, beaucoup de livres, je me suis dit, bah, tiens, je vais répéter inlassablement les titres de ses livres et je vais comme ça créer son portrait. Voilà. Et le portrait est créé par, est une accumulation des lettres qui composent son livre, qui sont collées les unes aux autres, voire plus ou moins grandes, plus ou moins éloignées les unes des autres, et ça crée comme ça un modelé. Vous pouvez voir l'affiche dans la galerie là-haut, donc il y a une façon de la percevoir de loin, on le voit lui en tant que portrait, et de près, on voit l'élément de la construction de la littérature, qui est la typographie. Autre travail pour la fête du livre, ça a été l'Asie des écritures croisées. Quand en 2009 sont venus ici un ensemble d'écrivains qui venaient de pays asiatiques dont les ouvrages étaient rarement traduits, à savoir la Thaïlande, le Vietnam. On connaît beaucoup plus la littérature japonaise ou chinoise, mais très peu de ces pays-là. Et c'est difficile parce que même si on appelle ça l'Asie, c'est quand même très grand. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Il fallait que je trouve une idée. Et en lisant les livres, en discutant aussi, je me suis rendu compte que dans toutes ces grandes villes asiatiques, ces grandes mégapoles où souvent les romans se passent, eh bien, il y a l'idée de l'enfermement, de la surpopulation. Et je regardais les photos de ces villes, que ce soit Bangkok, que ce soit Hong Kong, de la surpopulation, de ce que ça voulait dire de vivre là. Et à partir de ça, de ces photos de Michael Wolff, qui est un photographe américain, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec la typographie ? Comme si les lettres devenaient des fenêtres, comme si les lettres étaient elles-mêmes une façade d'immeuble dans un nuage de pollution, dans une peut-être une surabondance aussi d'informations typographiques et une couleur qui était emblématique, le rose. Et pourquoi le rose ? Parce que justement, peut-être ce qui associe tous ces pays, c'est aussi cette couleur de la flore qu'on retrouve dans les textiles, qu'on retrouve dans des produits manufacturés bon marché. Ce rose à la fois très séduisant et presque repoussant. Et donc il y a eu deux versions d'affiches, une claire et une foncée. Et c'est la foncée qui a été retenue. Mais de même, vous voyez que les lettres sont insérées dans des rectangles et qu'il y en a d'autres, des plus petits devant, qui vous font penser aussi à des idéogrammes chinois. Donc, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture de l'affiche. Voilà. Autre affiche, Bruit du Monde, où 5 ou 6 écrivains, je ne me souviens plus très bien, mais étaient venus ici à Aix débattre des conflits du monde et de leur implication, de leur vie intime autour de ça. Alors cette image que vous connaissez sans doute parce qu'elle a été très très diffusée dans les médias, cette image de Tiananmen était quelque part enfouie dans mes pensées. Et après, j'ai essayé plusieurs choses. Je me suis dit, bruit du monde, donc il y a quelque chose de violent. Il y a l'idée de lutter contre une agression. Alors, j'imaginais que l'affiche serait comme une cible et que les lettres seraient comme des impacts de balles sur la cible. Bon, enfin, je trouve ça un peu trop violent quand même. Et oui, parce que même si ces gens luttent comme ça contre des conflits, pour trouver des solutions de dialogue et de paix. Alors, je ne sais pas si l'affiche devait se faire valoir de cette façon-là. Alors, je me suis dit, c'est plus l'accumulation des drapeaux du monde, donc tous les drapeaux, les drapeaux, ce sont des structures aussi graphiques. Je vais supprimer les structures, je vais garder que des petites taches de couleurs. Mais enfin, tout ça est très décoratif. Et justement, on était loin du concept. Et puis, à l'époque, à la Maison Rouge, qui est un endroit que j'aime beaucoup à Paris, il y avait une exposition de Sauter, c'est ça, qui est un artiste suisse, et qui, à la fin de sa vie, a travaillé avec des empreintes, avec ses doigts, il peignait avec ses doigts. Ça n'a rien à voir avec le projet des Bruits du Monde, la fête du livre, mais vous voyez comment différentes directions vous permettent à un moment justement de trouver la vôtre. C'est-à-dire que l'idée de l'empreinte et de faire des tracés de doigts, je trouvais que c'était comme si on appuyait là où ça fait mal. C'était comme si on retrouvait justement l'idée des impacts de balles. C'est comme si on dessinait un archipel. Et voilà comment, après plusieurs essais, comment justement, entre l'ordinateur et ce qui est fait main,
petit à petit, la fiche s'est créée, comment des lettres ont été orientées, comment on défie aussi la lisibilité pour arriver avec un minimum de moyens, c'est-à-dire une seule couleur, le bleu puis le noir, à créer l'idée d'un océan, j'ai envie de dire, avec un archipel de lettres qui se déploient et qui se, peut-être se frôlent, se touchent et qui évoquent justement de façon peut-être très lyrique ou conceptuelle, je dirais, les bruits du monde. L'an dernier, Baltique et Méditerranée, à savoir que l'Europe est prise en étau entre deux mers, la mer Baltique au nord, la mer Méditerranée. Comment nous, communauté européenne, on arrive à travailler ensemble, à communiquer, à se connaître, à aller de l'avant. Et comment les auteurs de ces pays-là confrontent leurs idées, leurs langues également. Et lorsqu'il a été question de ce thème-là, tout de suite me vient en tête des références artistiques. Pour le Sud, le futurisme italien, dont Marinetti avait fait cet ouvrage qui s'appelle « Les mots en liberté ». Les mots en liberté, je trouvais que c'était particulièrement significatif pour cette fête du livre. Mais ce n'est pas Marinetti que j'ai gardé, c'est Despero. C'est le livre que Despero avait fait sur le futurisme que vous voyez à gauche. Et on retrouve cette recherche graphique à travers les lettres aussi dans les pays nordiques avec l'œuvre de cette artiste polonaise à côté. Donc il y avait déjà, je trouve, à l'époque, dans les années 20, au moment où l'Europe finalement n'était pas une entité, mais avec une mosaïque comme ça de peuples très très lointains, beaucoup plus lointains qu'ils ne sont aujourd'hui, eh bien des corrélations, des similitudes, des recherches qui pouvaient se faire écho l'une l'autre. Et j'ai pensé que l'affiche pourrait reprendre cette esthétique. On va y arriver. Voilà. Donc, de mettre le mot Baltique, évidemment, en haut de l'affiche, le nord, et Méditerranée en bas. Et puis au milieu, les flots, la rencontre, le mélange, etc. J'étais ravi de cette idée. L'affiche a été imprimée comme ça. Et il m'arrive assez régulièrement de jamais être satisfait finalement du résultat final. Alors je me dis, parce que c'est très difficile de finir un projet, de dire, ça y est, on est arrivé au point où on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, pour cette affiche, je pensais qu'on n'y était pas arrivé. On avait été pris par le temps et qu'elle était trop chargée inutilement. Donc, à l'occasion de l'exposition ici, que vous pouvez voir, on a repris l'affiche cette année et on a inversé l'affiche, c'est-à-dire qu'elle était en négatif, elle est devenue en positif. Quand je dis ça, ça veut dire que les lettres étaient sur un fond foncé, en blanc sur un fond foncé, elles sont devenues colorées sur un fond blanc. Et puis les flots, ben, il me semble qu'ils étaient pas, ils étaient inutiles. Donc il faut savoir aussi éliminer, un peu comme dans l'art, dans la sculpture, c'est toujours parmi les références qui me plaisent. Je pense à Giacometti qui allait dans l'effacement, dans l'effacement des formes et des surformes pour arriver à cette structure filiforme qui est emblématique de son œuvre. Eh bien, des fois, il faut savoir supprimer. Et l'idée de créer cet espace vide, peut-être aussi cette page blanche qui est peut-être celle des écrivains, eh bien, je trouve que l'affiche gagne en force. Une autre référence aussi autour de la peinture, c'est quand on m'a demandé en 2003, il y a une dizaine d'années, de faire une affiche pour promouvoir une exposition de maquettes de péniches pour un événement très populaire qui s'appelle l'Armada à Rouen. Ces maquettes de péniches viennent du musée de la batellerie Conflans-Sainte-Honorine. Elles sont superbes, elles ont été faites au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, elles sont en bois. Et on m'a dit, Philippe, on va montrer, ça va être difficile de choisir laquelle on va montrer sur l'affiche. Et bien, j'ai dit, on n'en montrera aucune. Donc comme ça sera très simple. Et tout de suite, j'ai réfléchi à l'idée de ce qu'on pouvait faire avec les lettres. Alors, le titre s'appelait « Les chefs-d'œuvre du musée de la Batellerie à Conflans, Sainte-Honorine ». Je me suis dit, mais personne ne va venir. Donc il va falloir quand même qu'on cherche un peu plus loin. Et moi, en tête, quand on m'a expliqué ce dont il s'agit, lorsque j'ai vu ces maquettes de péniches, j'ai pu me rendre compte qu'on pouvait s'inspirer de l'œuvre de Monet. Monet qui lui-même a regardé l'eau avec les nymphéas en laissant le spectateur s'immerger
dans l'eau, dans la surface de l'eau par les reflets. Alors j'avais ça en tête et je me suis dit on va faire la même chose avec la typographie, mais il faut qu'on trouve un titre. Et on a beaucoup réfléchi et quelqu'un est arrivé avec en tête les paroles de la chanson enfantine, de la comptine enfantine, bateau sur l'eau, etc., rivière et canaux. Et comme ça, l'affiche a été créée. Mais enfin, ce que vous pouvez voir surtout, c'est que j'ai essayé de recréer un paysage typographique, c'est-à-dire de donner l'idée de l'illusion, de l'horizon, de la profondeur et en même temps du déplacement très très lent de ces péniches sur les cours fluviaux. Voilà. Et l'affiche à la fin, eh bien, cette grille, dite grille de Fibonacci, qui est évolutive et qui vous permet de créer l'illusion de la profondeur, eh bien, elle n'est reproduite uniquement par le reflet de la typographie sur un aplat de couleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de couleur à chaque fois qu'on change de bandeau, quoi. Voilà. Puis ça, c'est beaucoup plus récent, c'est l'identité visuelle pour les voies navigables de France qui était le producteur de cette exposition. Et vous voyez qu'avec un certain nombre d'éléments graphiques, eh bien, on peut évoquer les reflets de l'eau, de la surface de l'eau, et toujours, en ce qui me concerne, avoir une approche beaucoup plus abstraite qu'illustrative. Donc vous voyez par exemple comment cette identité visuelle a été créée. Et là, c'était important pour moi, et on le voit aussi dans la galerie, de montrer les étapes de création. Comment ça se passe ? C'est-à-dire, il y a l'idée de base, les reflets dans l'eau par des éléments graphiques, mais est-ce que c'est inséré dans un cercle comme ça ? Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Est-ce qu'on a besoin de formes, j'ai envie de dire, plus sophistiquées par des diagonales, ou alors simplement un nombre limité d'éléments qui, par leur combinaison, vont donner une force plus grande. Et c'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qui est difficile. En même temps, lorsque vous regardez ces images, j'espère que vous avez en tête celle que je vous ai présentée au début de Bart van der Leck, où vous savez que, comme je vous l'ai dit, l'espace, le vide a autant d'importance que le plein. Et je crois qu'une des difficultés dans la formation d'un graphiste, c'est d'arriver à percevoir ce vide. Parce que la forme, c'est quelque chose, en fait, peut-être de très simple, mais c'est la contre-forme qui est difficile à percevoir et à façonner. Donc, voilà comment l'identité s'est créée, avec un certain nombre de lignes et d'épures, jusqu'à trouver un système en trois temps qui va évoquer de la même façon l'idée de la profondeur, du déplacement et en même temps peut-être aussi de la diversité de ces de cet univers du monde fluvial, parce que quand on pense au monde fluvial, on pense aux rivières, aux canaux, mais c'est aussi des grands fleuves, ce sont des grands ports fluviaux, ça recouvre un certain nombre de choses. Donc l'identité visuelle ne pouvait pas se limiter simplement à un signe, mais peut-être à un groupe de signes. Et voilà comment les choses se sont faites. Je dois vous dire qu'il y a eu aussi l'observation de beaucoup d'œuvres de Mondrian, qui a travaillé énormément sur le tracé comme ça des cours d'eau, des façades, etc. Et voilà comment le travail se fait. Donc les trois temps, toujours sur une grille de mise en page, une version épaisse, une version moins épaisse et une version beaucoup plus fine. Ce sont ces trois éléments qui sont superposés sur l'affiche que vous avez vue précédemment. Je voulais vous montrer, lorsqu'en 2006, on m'a sollicité pour faire le logo de l'année Cézanne à Aix, quoi faire ? Alors, déjà, évidemment, regarder ces peintures, et qu'est-ce qu'elles ont, ces peintures ? Et on le connaît comme le précurseur du cubiste, mais en même temps, ce que je trouve assez significatif chez Cézanne, c'est peut-être aussi la limite De sa palette de couleurs. C'est-à-dire qu'il y a trois couleurs qui reviennent régulièrement. Il y a ce orange des tuiles provençales, il y a le bleu du ciel, il y a le vert de la nature. Déjà, ça me donnait une piste. Et l'affiche, enfin, l'identité visuelle a été conçue autour d'un carré, parce que Cézanne est considéré comme le précurseur du cubisme, comme vous le savez. Et donc, j'utilise le hasard en me disant, ben voilà, je compte le nombre de lettres et je me rends compte qu'on peut créer un carré parfait dans lequel les lettres Cézanne X 2006 sont mises en place. Donc le logo, vous le voyez en entier au cœur de l'affiche, Cézanne X 2006 en
prenant le risque de couper le mot Cézanne. Et ça, je trouvais aussi intéressant, parce que d'un seul coup, c'était montrer que Cézanne, justement, avait transgressé déjà les codes de la peinture. C'est ce qui lui donne aussi toute sa dimension tellement progressiste, inventeur. Et l'alternance des lettres maigres et grasses qui font penser au coup de pinceau, à la touche du maître dans sa peinture. Et en travaillant comme ça, aussi, c'était une façon de s'éloigner du constructivisme beaucoup plus radical qu'on trouvera après, mais il y a une sorte de modulation qui est effectuée par le changement des graisses de la typographie. Et puis dans l'affiche, vous voyez qu'il y a d'autres éléments qui sont intervenus, qui sont des éléments informatifs. Eh bien, ceux-là sont dans une typographie très différente, qui est en italique, qui est une typographie classique de taille plus petite, sans lettres capitales. Donc vous avez un contraste qui s'opère entre des lettres capitales et modernistes qui forment le logo, et puis l'inverse pour toutes les informations techniques. Et évidemment, le logo est en partie effacé, en partie présent. Et de là, simplement avec la typographie, on peut évoquer tout l'univers du peintre. Lorsqu'en 2009-2010, quelques années après, il a été question de faire une affiche pour l'exposition monographique de Yves Saint-Laurent, eh bien, j'ai cherché comment on pouvait trouver une image symbolique du travail de Saint-Laurent. Pour moi, il était évident qu'il fallait associer trois éléments que j'avais en mémoire. Le premier, c'est celui que vous voyez à droite de l'écran, c'est le monogramme logotype qu'a dessiné Cassandre en 1961 lors de lancement de la maison de couture. Pour vous rappeler, Cassandre est quand même avant tout un affichiste. Il a été connu dans les années 20 pour avoir signé des affiches qui sont devenues des icônes aujourd'hui, à savoir l'Étoile du Nord ou le paquebot Normandie. Mais lorsque dans les années 60, donc on lui demande de faire ce logotype, eh bien, il reprend ses outils habituels, son pinceau, son tire-ligne, et il dessine à la main ce monogramme YSL, ces trois lettres imbriquées l'une dans l'autre, qui évoquent vraiment tout l'univers, l'élégance incroyable de Saint-Laurent. Et je voulais reprendre, en fait, pour l'affiche, ce monogramme dans sa version dessinée, pas celle qui avait été reproduite ou qui continue à être reproduite des milliards de fois sur toutes sortes de produits commerciaux, mais vraiment comme un véritable dessin. Et puis, il y avait les couleurs, bien sûr, de la robe Mondrian, qui date de 1968, et qui sont, pour Yves Saint-Laurent, emblématiques de l'introduction de l'art dans la haute couture. Et enfin, je voulais donner une dimension personnelle à cette affiche, intime, en montrant Yves Saint-Laurent, mais en montrant au travail. Alors ça a été difficile parce que Yves Saint-Laurent, lorsqu'il s'est fait photographier, il a souvent posé pour Jean Lussieff, pour Irving Penn, pour parler des images les plus connues. Mais Boula, le peintre, le photographe, l'a pris, a fait plusieurs reportages sur lui. Et on voit dans cette photo qu'il est concentré sur quelque chose qui se passe, même s'il est en arrière-plan. Alors c'est le cadrage de cette photo, c'est la combinaison de ces trois éléments qui a donné naissance à l'affiche. Et l'autre parti pris, c'était de mettre son prénom en grand, Yves, parce que lorsqu'on parle de Saint-Laurent, on parle toujours de Monsieur Saint-Laurent, mais rarement, voire jamais de Yves. Or, je trouve que mettre son prénom en grand, en lettres blanches, en capitales, des caractères modernes, comme on dit, eh bien, ça donnait déjà le ton de qui pouvait être ce Yves Saint-Laurent, qui est un peu le Picasso de la mode et qui accompagnait des générations. Donc, il a quelque chose de, j'ai envie de dire, il fallait le rendre familier. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un ami. On utilise les prénoms pour rappeler les gens qui nous sont proches, les gens de notre famille, nos amis. Eh bien, ce Yves, comme ça, je trouvais que c'était beaucoup plus puissant de le combiner avec le logotype, son portrait, et tout petit, de mettre Saint-Laurent. Voilà. Tu peux passer. Bon, alors là, on regarde la construction d'un autre logotype pour le Petit Palais, juste la combinaison de deux lettres capitales, de deux. Et comment, capitale ou bas de casse, en tous les cas, comment trouver l'idée que ces lettres sont imbriquées l'une dans l'autre
et en même temps évoque l'architecture du Petit Palais à Paris, qui, si vous le regardez vu d'en haut, ce sont deux courbes insérées l'une dans l'autre, mais en même temps, à l'intérieur du bâtiment du Petit Palais, il y a un certain nombre d'éléments de ferronnerie qu'on pourrait appeler presque de baroque, de rococo, revisité au début du XXe siècle, et c'est par une ligne, une seule ligne, que j'ai pu créer le logo et de jouer justement entre l'équilibre du blanc qui passe à l'intérieur de la lettre, comme si la lettre était ajourée et qu'on pouvait circuler dans un espace muséographique. Après, il y a une question d'équilibre, donc par ce qu'on appelle les sérifs, les empattements, pour lui donner une stabilité. Voilà le logo final, avec toujours cette grille de construction, cette fameuse grille que j'ai appris dans ma formation aux Pays-Bas. Voilà un tableau de Giacomo Balla du futurisme italien, ce futurisme qui m'est cher parce que c'est le moment où les peintres ont essayé d'introduire l'idée du mouvement dans la peinture. On le voit sur ce petit chien qui se balade en laisse et qui après a fait tant d'écho pour d'autres peintres en d'autres époques et dans d'autres lieux comme le tableau de Liechtenstein, de Roy Liechtenstein, peintre américain, où il essaye de trouver lui-même l'idée d'un mouvement sur un cavalier. Et ce sont ces images que j'avais en tête lorsqu'on m'a demandé de faire l'affiche pour le sceau Hermès. Eh bien, je voulais que ce soit les lettres elles-mêmes qui deviennent comme des purs sang en train de sauter des obstacles. Mais j'avais des images en tête. Donc on voit les esquisses de la même façon que je vous ai expliqué avant pour les bruits du monde, qu'il y a toujours des interventions manuelles dans le processus de création, que ça ne se fait pas seulement sur l'ordinateur. Et bien là, vous le voyez dans ces esquisses qui sont faites sur des blocs-notes, comment je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de lettres qui avaient des diagonales très affirmées, des répétitions, il y a plusieurs A, des V, le M, etc. Le H d'Hermès, qui lui ressemble à un obstacle, et bien c'était les lettres qui allaient prendre le dessus, qui allaient personnifier la courbe d'obstacles. Voilà. Et puis par ailleurs, comme il tenait énormément à avoir la silhouette d'un cheval, alors je me suis dit comment on allait pouvoir la rendre, la simplifier comme un pictogramme. De la même façon que vous avez vu le tableau de Liechtenstein, je ne sais pas si on l'a perçu, mais ce n'est pas grave, il est dans la galerie. Donc voilà. Uniquement à travers des photos, l'observation de photos, on prend de l'encre de Chine et puis on dessine et après ces dessins sont scannés, retravaillés sur l'ordinateur et petit à petit, après l'affiche, c'est un conglomérat de toutes ces choses qui donnent le produit final. Et produit final, des fois, comme c'est le cas pour Hermès, où vous voyez par exemple aussi ce qui a été travaillé, c'était l'épaisseur progressive des caractères, donc gras en haut, maigre en bas, ça donne aussi l'idée vraiment de mouvement, de choses qui sont en train de se passer, comme je vous expliquais, de mise en arrêt sur un mouvement. Et enfin aussi ce mouvement, ce qui est agréable, c'est par les nouvelles technologies, c'est de le mettre en mouvement réel, mais je ne sais pas si on l'a. On ne l'a pas. Il est dans la galerie. Alors, on avance. Parce que j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Pour le Théâtre du Châtelet, pour vous dire comment on crée des affiches pour des spectacles dont je vous ai dit qu'on ne voyait pas à quoi ils ressemblent avant même qu'on fasse l'affiche. Alors, par exemple, Street Scene, qui est le premier opéra que Kurt Weill a créé lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. Il a planté le décor dans le Lower East Side de New York, de Manhattan, Lower East Side qui était le lieu d'accueil de beaucoup d'immigrés, qu'ils soient venus d'Europe de l'Est ou d'Italie, aujourd'hui de Chine. Et ces images assez spectaculaires de vie dans New York, eh bien, elles étaient dans ma mémoire parce que la scène se passe aussi dans les années 20, au moment où on commence à voir des images dans le cinéma américain de ce New York populaire. Et je ne savais pas vraiment comment j'allais trouver l'idée, mais je savais que, par exemple, l'affiche devait être en noir et blanc. Par exemple, ça s'était imposé immédiatement. Alors après, est-ce que c'est un homme sandwich? Est-ce qu'on reprenait tous ces éléments de signalétique qui sont tellement typiques à New York
et que qu'on pouvait recréer, réassembler pour mettre les informations du spectacle. Mais en même temps, c'était des choses un peu, j'ai envie de dire, passe-partout. C'est-à-dire que ça, on pourra le faire pour n'importe quoi d'autre. Alors que dans Street Scene, je reviens au décor. Ça se passe dans le Lower East Side, et dans ce Lower East Side, mais il y a une vie dans la rue, c'est-à-dire les gens vivent dehors. Quand il fait chaud, tout le monde est dehors, s'installe sur les perrons des immeubles, ces fameuses tenements qu'on appelle, qui sont les HLM américains. Les gens sont devant, se parlent, comme on peut le voir sur cette image. Et je me suis dit, bah, tiens, le lieu de vie, c'est vraiment la rue. C'est la rue, et en même temps, ce sont ces entrées d'immeubles avec les escaliers, ces volets d'escaliers qui sont si typiques. Et je me suis dit, ben voilà, Street Scene, ça va être ça. Ça va être un perron. Ça va être une maison. Alors, on a commencé comme ça, youpi, je me suis dit, c'est formidable, il y a un nombre de lettres qui coïncident, tout va bien, on va dans cette direction. Mais en même temps, cette mise en scène de la typographie, elle est très mécanique. Vous voyez, c'est là où l'ordinateur devient presque un obstacle. Ce formidable outil sophistiqué, finalement, on peut faire des choses extraordinaires avec, mais des choses extrêmement plates. Et je me suis dit, il fallait trouver vraiment l'idée d'une perspective, l'idée pas du monumental, parce qu'on n'est pas, ces maisons ne sont pas monumentales, mais en attendant du relief, de l'architecture. Alors, bon, voilà, comment, avant, on voit... La déformation des deux mots Street Scene qui épousent les marches du perron. Ça, c'était l'idée qui s'affinait, qui devenait plus intéressante, mais qui était trop mécanique et statique. Alors après, ne sachant pas où aller, ayant fait beaucoup d'essais, eh bien, on a pris des morceaux de papier, du cadapax, qu'on appelle du carton plume, puis on a collé nos lettres sur du carton plume, puis on a fait X, Y, Z photos. Et ce sont ces photos qui, après, ont été retravailler sur l'ordinateur, vous voyez, donc il y a une sorte d'aller-retour qui s'opère en permanence jusqu'à trouver le bon angle et à faire cette affiche où enfin on avait ces deux mots Street Scene fait main, alors on voit un peu la patine quand vous regarderez l'affiche, puisque l'affiche est dans la galerie, eh bien vous verrez que c'est fait comme si on a gardé les craquelures du papier, alors on a presque l'impression que c'est vrai, que ces marches, elles sont vraiment réelles, elles sont en métal, etc., alors que c'est vraiment un bout de papier plié, et puis vous voyez que tous les autres éléments sont placés comme si c'était une porte, une fenêtre, un entablement, etc. Donc tout se trouve sa place une fois qu'on a dégagé l'idée. Alors là, très récemment, nous sommes en train de travailler sur l'icône d'une comédie musicale, An American in Paris, qui n'a jusqu'à aujourd'hui encore jamais été montée sur scène. Ça reste un film légendaire de Hollywood. Alors, on doit travailler autour de ça. Et dès le début, je me suis dit, bon, bah, alors voilà, c'est les claquettes, c'est le jazz, on va aller par la couleur. Il faut savoir que l'histoire d'un Américain à Paris, c'est un peintre américain qui s'installe à Montmartre et qui est séduit par une jeune fille, mais en même temps, il arrive. Alors, c'était ça, c'est l'idée, c'était à la fois les lettres qui deviennent les jambes de ce personnage, ou un Américain à Paris avec toutes les couleurs. Du Paris d'avant-guerre, ce Paris qui était magnétique pour les artistes. Et alors justement, il était tellement magnétique pour les artistes qu'il y a au moins plusieurs œuvres qui le sont pour moi, en tous les cas. Un des artistes que je préfère et dont vous pouvez voir aussi une autre affiche qui en est inspirée, c'est Sunday in the Park with George. Enfin, il s'agit de George Seurat à gauche, et George Seurat avec le pointilliste. La technique du pointilliste a fait ce tableau merveilleux de la Tour Eiffel. Mais bien sûr, vous pensez certainement à Delaunay qui a peint et repeint cette Tour Eiffel avec une palette de couleurs fausse. Et la photo distordue de Doisneau. Donc j'avais ça en tête, sachant que l'esthétique du film est très inspirée par l'œuvre de Dufy. Donc je pensais qu'à un moment ou un autre, il fallait que la peinture soit présente dans cette affiche. Par ailleurs, Apollinaire aussi a utilisé ses calligrammes pour dessiner une tour Eiffel. Alors, petit à petit, l'idée des jambes que vous avez vues, l'idée du paysage, je me suis dit, tiens, à un moment ou à un autre, il doit y avoir la Tour Eiffel.
c'est quand même significatif de Paris, bien que dans le film, en tous les cas dans le film, elle n'apparaît quasiment pas. Ça se passe à Montmartre, ça n'a rien à voir, mais quand même, il y avait quelque chose à faire pour signifier Paris. Alors peut-être avec les lettres, comme on peut le voir là, c'est-à-dire créer un paysage typographique uniquement avec la superposition comme ça des mots du titre. Et les trois A, vous voyez, j'essaie toujours d'utiliser le hasard, les trois A qui se superposent et qui donnent naissance à la Tour Eiffel. Et de là, je me suis dit, ben non, en fait, c'est déjà trop compliqué, on est déjà trop loin. La Tour Eiffel, ça va suffire. Il va falloir qu'on trouve une idée pour combiner les mots du titre et faire une Tour Eiffel typographique. Alors l'ambition était énorme parce qu'à la fois c'était très chouette à faire et puis en même temps on ne savait pas où aller. On était là à l'atelier à faire toutes sortes d'essais. Il y en a aussi épais que trois dictionnaires, je dois dire. Et puis à un moment, je me disais, c'est pas grave, on va aller chercher une tour Eiffel, une vraie, enfin une vraie fausse, hein, de comme on trouve partout. Et puis on va l'habiller avec des lettres et on va voir ce que ça donne. On va la photographier et on va regarder à quoi ça ressemble. Et comme ça, petit à petit, on a réussi à sculpter, j'ai envie de dire, les lettres autour de la Tour Eiffel. Après, même si on avait trouvé l'idée d'habiller la Tour Eiffel avec des lettres, elle était quand même très statique. Alors, un Américain à Paris, c'est tout sauf statique, parce que c'est déjà une musique de Gershwin, que c'est Gershwin, qui est très jazzy, qui est très en mouvement, et puis en même temps, c'est une chorégraphie, enfin, ça danse du premier mouvement jusqu'au dernier, avec des morceaux de bravoure, etc. Alors, il fallait que cette Tour Eiffel, elle soit quand même assez amusante, qu'elle danse elle-même, qu'elle se mette à faire les points, etc. Donc on a trouvé toutes sortes de choses, puis à un moment elle devenait déjà plus du tout une tour Eiffel, enfin donc c'était très compliqué. Et à un stade de la création, je me suis dit, ben, en fait, pour trouver cette vibration du mouvement de la danse, je trouvais très chouette de combiner les trois couleurs primaires, sachant si c'était les couleurs de la palette du peintre, etc. Et elle a été refusée par le Théâtre du Châtelet en trois couleurs, alors que pour moi, elle s'imposait comme telle. Parce qu'indépendamment des trois couleurs, du fait que la Tour Eiffel, on a l'impression qu'elle danse, elle est jazzy, etc. Dans l'histoire d'un Américain à Paris, cette jeune danseuse française tombe amoureuse de trois personnages, de trois hommes. Alors je trouvais que c'était très symbolique. Mais il a fallu refaire l'affiche jusqu'à sa version finale, qui est exposée aussi dans la galerie à côté. C'est-à-dire qu'on a montré celle-ci qui me tenait tant à cœur et celle-là, où il ne reste que deux Tours Eiffel, qui représente évidemment l'idée du couple, peut-être la Tour Eiffel aussi et son ombre et son reflet, celle qui est élancée, en tous les cas dans un mouvement de danse, celle qui swing, etc. Voilà comment l'affiche a été créée. Et enfin, pour terminer, une affiche qui n'est pas dans l'exposition, mais que je trouve intéressant de vous montrer ici, c'est une affiche pour le musée de Zurich et sur le thème de la typographie en mouvement. Bewegte Schrift veut dire en allemand typographie animée. Et donc c'était une affiche pour une exposition sur l'animation dans les lettres. Alors, de la même façon que je vous ai montré avant sur l'idée de l'utilisation de la grille, du systématisme, peut-être d'éléments qui permettent pas brouiller les pistes, mais de façonner en fait les lettres comme si c'était des éléments de sculpture. Je ne sais pas si vous vous souvenez du portrait de Philip Roth, mais d'utiliser des éléments de typographie. Et bien là, chaque lettre est composée de différents petits signes de la ponctuation, mis les uns à côté des autres, et ça dessine des lettres. Et après, on travaille sur l'approche entre ces signes typographiques, sur leur interlignage, et ils sont superposés. Cette superposition avec des approches différentes, avec des interlignages différents, donne l'idée du mouvement. Par ailleurs, je me rends compte qu'il y a un nombre de lettres parfait entre les deux mots, donc ça me donne un équilibre idéal. Et au centre, entre les deux mots, il y a bien sûr un espace de respiration qui va me permettre de placer toutes les informations techniques. Et là, tu peux avancer avec les différents essais qui ont été faits, la mise en négatif de l'affiche, on le voit, peut-être l'introduction de couleurs, et puis le retour au noir et blanc qui a donné naissance à cette affiche-là, qui n'est pas dans l'exposition, mais que vous pouvez voir en tous les cas dans le livre qu'on a fait, qui s'appelle Typorama, et qui a été créé à l'occasion de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs à Paris l'an dernier.
Voilà, maintenant je suis prêt pour répondre à vos questions. Merci parce que c'était très très clair et puis à chaque fois que j'avais une question dans mon esprit, j'ai eu l'impression que vous avez répondu. Donc il reste néanmoins une petite incertitude sur le choix final entre vous et votre studio et ceux qui vous demandent, ceux qui vous font la commande. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des désaccords? Parce que bien entendu, vous nous avez montré qu'à certains moments, on vous a refusé certaines affiches qui vous tiennent à cœur et qui vous semblaient plus propices. Mais à quel point vous devez vous plier à ce qu'on vous demande et qui sont peut-être qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez faire? Je pense que j'ai pas assez entendu vous. Je vous ai pas assez entendu vous en tant qu'artiste sur ce sujet-là. Bah, vous savez, le travail sur commande, c'est forcément un dialogue. Alors, il y a l'idée d'accompagner. Et je trouve que c'est une chance aussi d'accompagner les autres. Parce que ce métier, on le fait en apprenant tout le temps. Et ça fait partie des moments les plus lumineux, je dirais. Parce que on peut pas être dans la répétition. On est obligé d'apprendre parce que ce qu'on va communiquer, on ne le sait pas forcément. Même on le sait généralement rarement. Je vous donne un exemple très simple. Moi, Yves Saint-Laurent, je ne savais pas qui c'était. Ben, je ne me suis jamais vraiment intéressé à son travail avant de travailler sur l'exposition. Je savais bien sûr qui il était, c'est clair. Mais son œuvre, je ne la connaissais pas. Alors, il y a cet apprentissage. Ça impose peut-être une certaine humilité, évidemment, et en même temps de se laisser contaminer par tous ces sujets. Donc, il faut beaucoup écouter. Et ce dialogue, après, il faut le faire fructifier pour apporter des idées, pas forcément une, mais en tous les cas, des idées dont on est convaincu et dont on sait quelles vont être la réponse adéquate au problème, à savoir que la personne qui est en face de vous va se dire « Ah ben c'est exactement ce que je voulais faire, mais je n'y arrivais pas ». Voilà, donc il se l'approprie. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir des convictions, et je crois que la compétence donne des droits, c'est-à-dire que l'expertise qui se façonne au fil des ans, ben, vous donne une certaine assurance, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je suis encore terrorisé des fois à l'idée de montrer un travail, parce que je me dis qu'il peut être refusé, des fois par incompréhension. Alors il faut, j'aime pas ce mot-là, mais éduquer, parce qu'il faut arriver à faire comprendre, de la même façon que nous on s'est laissé contaminer par ce que j'ai pu entendre ou savoir, eh bien il faut que je puisse être entendu. C'est vrai que s'il n'y a pas ce dialogue, si tout de suite c'est non, bah écoutez, moi je dis que voilà les crayons, l'ordinateur, si vous savez utiliser tous les programmes, allez-y et bingo, quoi. Moi, je n'ai pas non plus 36 000 solutions. Je suis pas... J'arrive effectivement pour présenter mon travail. On me dit « Ah, mais non, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, » moi, je ne sais pas. Si vous savez mieux, alors moi qui n'ai jamais joué du piano, je veux bien vous louer la salle Pleyel, je vais vous faire un concert. Vous voyez, chacun ses compétences. Il faut... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah ben alors dans le cas précis, pas du tout, parce que tout de suite il y a eu une adhésion sur cette affiche. En revanche, j'avais présenté les trois projets, c'est-à-dire la cible, l'accumulation des drapeaux et celle-ci. Mais même celle-ci, je n'étais pas totalement sûr, je peux vous dire. Ah. Oui.
Oui, bien sûr. Ah mais le dessin fait partie de la fiche complètement, il est intégré dans la fiche complètement. Et après, si vous voulez, j'espère bien répondre, mais en tous les cas, les traces de doigts ont été scannées, elles ont été associées à la typographie, elles ont été retravaillées, choisies. Après, c'est vraiment le travail d'orfèvre. Mais l'idée est là. Non, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été frustré sur ça. Je peux vous dire qu'il y a toutes sortes de projets sur lesquels je le suis, et ben je les montre pas hein, quand même. Je les garde dans les tiroirs. Il y a des horreurs hein, aussi. Hein. Non, mais il faut savoir aussi rater, il faut savoir... c'est terrible d'ailleurs. C'est terrible de renoncer des fois à des choses dont on est c'est certain. Et puis parfois, eh bien, je me dis, bon, ben voilà, c'est pas grave. Maintenant, il y aura d'autres, on va rebondir sur autre chose. Et j'ai la possibilité, par exemple, dans ces expositions, dans celles que vous pouvez voir là, eh bien, de reprendre des travaux. Ça m'est arrivé, je vous l'ai montré pour Baltique Méditerranée, c'est très rassurant. Je pense que l'affiche, on ne l'avait pas bien faite. Elle était bien, mais elle pouvait être encore mieux. J'ai trouvé que ça valait la peine. Pareil pour un Américain à Paris, c'est vrai, je me dis, bon, on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être encore mieux. Mais ce qui est là est quand même très, très bien. Je le revendique, sinon je ne le montrerai pas. Je peux vous dire que je ne le montrerai pas. Voilà. Ouais. Je suis étudiant à l'École supérieure d'art d'Aix et justement, je suis très impressionné par votre travail et je vois que ça a commencé justement par des tremplins progressivement avec des stages et notamment grâce au fait que vous connaissiez Total Design par votre école à Paris. Et justement, on entend beaucoup parler de Paris, et donc concrètement, en fait, vous pensez à quel avenir justement pour les étudiants qui ne vont pas justement dans toutes ces écoles d'art appliqué de Paris? Bon, déjà, je vais vous dire une chose, moi j'aimerais bien être à votre place, hein, parce qu'être étudiant, je trouve ça pas mal. Ça me plaisait bien, moi. Ça me plaît bien encore, à Paris ou ailleurs. Je trouve le statut d'étudiant, c'est quand même pas mal. Je sais pas, l'idée de liberté, de jeunesse, de fraîcheur, même si on est terrorisé ou angoissé par ce qu'on va devenir, mais peut-être c'est ça qui est fascinant. Je crois que tout, pour avoir habité à différents endroits, à Paris, j'ai séjourné aux États-Unis, dans différentes villes, je crois qu'on finit toujours par aimer l'endroit où on habite. Même dans les endroits les plus ingrat. Moi, j'ai grandi en banlieue, c'était pas terrible. Hein. C'était pas Paris. J'étais très très content quand je suis arrivé à Paris parce que j'ai eu accès à une forme de culture savante qui m'était étrangère. Mais ce que j'avais appris avant dans les banlieues m'a beaucoup aidé aussi parce que justement, je connais des choses que d'autres, je me souviens, les camarades d'école n'avaient pas les mêmes codes que les miens. Enfin, moi, j'étais vraiment un extraterrestre quoi, quand je suis arrivé dans un lycée à Paris. Donc, ça ne m'a pas gêné. Ça m'a gêné, mais en même temps, il m'a fallu des années pour comprendre que c'était une force. Alors, je crois que tous les endroits où on évolue ont un impact après, surtout pour des créateurs, la façon dont ils envisagent leur monde créatif. À un moment ou un autre, ça rejaillit. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Là, c'est peut-être de l'ordre de l'irrationnel. En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire parce que je n'ai absolument aucun recul sur ça. Mais il ne faut pas se sentir frustré si on est à Aix, à Bordeaux, dans le Limousin ou je sais pas, au fin fond de la Pampa. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas grave, au fond. Maintenant, ce qui est extraordinaire, et surtout pour votre génération, c'est la possibilité de voyager et donc de s'approprier le monde. Parce que, et c'est peut-être dans ces voyages-là que ça se passe. Il y a ce qu'on appelait avant les voyages initiatiques, mais tout voyage initiatique. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il faut aussi se laisser contaminer par les différences. Moi, je voulais dire que, je ne sais plus, j'avais noté ça, si je le trouve, je vous le dirai, mais globalement, je trouve que la culture, on est avec une culture, mais ce qui est intéressant, c'est d'accumuler les cultures des autres. Ce n'est pas de rester dans sa propre culture, sinon on est complètement figé. Ce qui est extraordinaire, c'est d'acquérir celle des autres. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Ah bah alors, tant mieux. Bonjour. Allô. Ah, bonjour. Oui. Bah oui, effectivement. Moi, je voulais aussi, pareil, vous féliciter sur l'endurance que vous devez avoir quand vous présentez vos projets, parce que c'est pas... Enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, la culture graphique... en France, et notamment pour les étudiants,
Enfin, j'ai le sentiment que c'est un petit peu décrié par rapport au musée. On n'en voit pas beaucoup dans les musées du graphisme, hormis sur les affiches, particulièrement les vôtres. Mais quel est l'avenir aujourd'hui du graphisme? J'ai l'impression qu'en France, il y a une culture graphique assez pauvre quand on compare au graphisme qu'on peut voir en Suisse, ou notamment là sur les derniers billets norvégiens qui viennent de sortir avec des illustrations d'enfants, des pixels, des trucs très très particuliers et assez pointus. J'ai l'impression que le graphisme est très pointu sur vos affiches, mais qu'on en voit assez peu en fait en France, et qu'on a une culture assez pauvre. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu ce sentiment-là, et que comment faire aujourd'hui pour que le graphisme ait sa place dans les musées auprès de toutes les autres toiles? Ça arrive à Londres, je crois, au MoMA, on a carrément un étage propre au graphisme, on voit du Emig, on voit du Expérimental Jet Set, on voit pas mal de trucs assez pointus, Joseph Miller Brockman ou des trucs comme ça. Ici en France, sorti de vos affiches, j'ai l'impression. On n'en voit pas beaucoup, des trucs pointus, quoi. Et voilà. Et aussi pour rebondir par rapport à ce que disait la dame, j'imagine que vous avez pas mal d'endurance aussi pour argumenter. Et vous avez les arguments pour vendre vos affiches et, enfin, du moins, en tout cas, les faire passer face à des personnes qui, peut-être, parfois, n'ont pas cette culture-là. Et quand on voit du blanc, et ben, les trois quarts ont peur. Ils disent, mais il faut remplir un maximum d'espace. Il y a trop de blanc ici. On voit pas mon projet. Donc, bon, y a beaucoup de questions. Alors là, la première, je peux vous dire que vous trompez. Et puis après, je peux vous dire, vous avez raison. Donc, si je vous dis vous trompez, c'est que aujourd'hui, quand même, en France, le graphisme est quand même montré, débattu, édité. Il y a des institutions qui s'y intéressent. Il y a des partenaires privés aussi. Vous avez un festival chaque année à Chaumont. Il y en a un autre à Échirolles. Il y a des choses qui se passent au Havre. Le Musée des Arts Déco à Paris fait des choses quand même. La Bibliothèque nationale également. Et je suis là, ici à Aix, mais je ne suis pas tout seul, hein, y a beaucoup d'enfants. Moi, quand j'ai commencé, je peux vous dire, je vous expliquais, à l'école, ça s'appelait expression visuelle, communication visuelle. Quand je disais que je faisais du graphisme, on m'envoyait au service géographique. Je dis non, ce n'est pas pareil, je ne fais pas des cartes géographiques. Alors, personne ne comprenait ce que je faisais. Quand je montrais mes travaux pour le musée d'Orsay au début, tout le monde croyait que c'est moi qui avais peint le moulin de la galette. J'ai dit non, c'est une reproduction, ce que je fais c'est de la mise en valeur, elle ne comprenait pas, je ne suis pas Renoir. Bon, donc alors c'était très flou, ça l'est quand même de moins en moins, beaucoup moins, peut-être aussi par l'apport des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi je fais partie d'une génération qui a appris mon métier où il n'y avait pas d'ordinateur, donc lorsqu'on parlait de typographie, de police de caractère, on disait la police. Je dis non, c'est pas 22, voilà les flics, c'est des polices de caractère. Mais il y avait un problème de vocabulaire terrible. Et il y avait très peu de choses, malheureusement, mais il y avait des gens qui œuvraient déjà, et il faut quand même aussi pour ça avoir une connaissance de l'histoire du design, du graphisme. Sachez que Jean Widmer était quand même une figure très importante du design à Paris pour avoir signé le logo du centre Georges Pompidou dans les années 70, pour avoir été le directeur artistique très influent qu'il a été aux Galeries Lafayette et au Jardin des Modes, que dans le domaine de l'édition, des gens comme Faucheux, Massin œuvraient de façon radicale, avaient façonné aussi l'identité visuelle de l'édition française, des couvertures de la NRF, des livres de poche, etc. Donc il y avait des choses en sourdine. Et puis, il y avait aussi, dans le domaine de l'affiche, une sorte de mélange, peut-être, entre ce qu'on appelait la réclame, et vous devez penser aux images, aux affiches de Savignac, par exemple, et puis la publicité qui a commencé à gangréner un peu tout. Alors, les graphistes, après, ils se sont dit, tiens, on va faire des choses dites d'utilité publique, et puis on s'est embringué là-dedans, et en fait, on s'est fait enfermer un peu dans le truc. Maintenant, par rapport de ce qui se passe aujourd'hui, je trouve qu'il y a une génération de graphistes très, très prolifiques, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Il faut savoir que dans toutes les écoles d'art en France, qu'elles soient nationales, régionales, municipales, c'est quand même les sections où il y a le plus d'étudiants. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens s'y intéressent. C'était pas du tout le cas quand moi je suis rentré dans l'école d'art. La matière par excellence c'était l'architecture d'intérieur parce que tout le monde rêvait d'être Philippe Starck. Bon, donc aujourd'hui, par l'informatique, je suppose
très nombreux jeunes s'intéressent quand même au graphisme, énormément. Alors ça change, et ça change en mieux, ça change en diversité. Et puis par ailleurs, maintenant, vous avez posé les questions, oui, alors on connaît le graphisme suisse, Joseph Müller-Brockmann, c'est ça, ou alors les Néerlandais, mais oui, mais parce que c'est pas nouveau dans ces pays-là, en Suisse, aux Pays-Bas, ou en Allemagne, à cause du Bauhaus. Pour eux, le graphisme, le design, c'est l'équivalent franc de la haute couture. Ici, tout le monde connaît les grands couturiers. Bon, là-bas, tout le monde connaît les grands graphistes. Voilà, c'est la différence. Mais par contre, vous ne connaissez pas grands couturiers spécifiques néerlandais ou suisses, etc. Ben, chacun ses spécificités. En France, on est plus dans le monde de la haute couture, j'ai envie de dire, pour la partie moderne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de graphisme. Alors, il est certain que dans les pays anglo-saxons, du fait que le graphisme a été extrêmement sophistiqué, poussé dans son enseignement au Bauhaus, que les gens du Bauhaus sont partis aux États-Unis, alors ça a évidemment déteint sur la culture américaine, qui est une culture de communication visuelle, de marque. Donc, je crois qu'on peut l'expliquer comme ça. Et en Suisse, si vous regardez la peinture suisse, regardez la peinture d'Holbein, qui est quand même très ancienne, et bien dedans, vous voyez déjà les prémices, à mon avis, de l'organisation de l'espace sur une toile. Je veux dire, de la même façon, moi, je suis fasciné de voir la peinture de Vermeer aux Pays-Bas en me disant que c'est déjà l'organisation, la structure, etc., qu'on va retrouver après dans le mouvement de style qui va déteindre sur le design. Donc, c'est présent depuis très longtemps. Et puis, par ailleurs, pour parler des Pays-Bas que je connais bien, c'était quand même un territoire d'édition où beaucoup d'imprimeurs se sont installés. Enfin, c'était dans les Flandres. Vous allez à Anvers, il y a le musée Plantin est un français et s'est installé au pays en Flandre parce qu'il y avait aussi la possibilité d'éditer des textes qui n'étaient pas forcément édités en France. Bon, voilà, je crois que c'est pour toutes ces raisons. Pensez aussi au fait que Descartes est parti là-bas, donc il y avait une liberté d'expression qui était suivie par toute une technologie, une fabrication. Les éditeurs, les imprimeurs, les créateurs de caractères, etc. Alors, c'est resté très, très, très présent. Ça s'est développé après avec le modernisme. C'est comme ça que je l'explique. Je ne pense pas que ce soit nouveau. Moi, je me suis souvent posé la question aussi de la différence, de l'importance des créateurs dans les pays, en tous les cas latins, les pays nordiques, en tous les cas la France, par exemple, et les Pays-Bas. Ou bien en France, les créateurs les plus influents sont les écrivains. Depuis toujours, la Pléiade, après vous avez, je sais pas, l'encyclopédie, et puis Victor Hugo, etc. Je fais vraiment des raccourcis, Jean-Paul Sartre, etc. Ben, dans les autres pays, vous avez Rembrandt, vous avez Vermeer, voilà. D'accord, Van Gogh et Mondrian et compagnie. Et la peinture est beaucoup plus présente. Je crois que le texte, c'est comme l'image, donc la peinture. La peinture flamande n'a pas d'équivalent pendant longtemps en France. La peinture va dominer en France, va se sortir de la copie des antiques à partir du 19e siècle, mais encore une fois, ce sera une peinture entre guillemets littéraire, ce qu'est les impressionnistes. Ils racontent une histoire. Si vous regardez Vermeer et Rembrandt et d'autres peintres de la même époque et même plus tard, c'est pas ça. J'espère que je réponds. Je ne suis pas historien d'art. Hein. Avant de vous entendre et de voir la façon dont vous travaillez, je croyais, enfin, c'était très bien, j'ai beaucoup apprécié, je croyais que l'affiche était destinée à faire venir le plus de monde possible à la manifestation dont on parlait. C'est-à-dire, le plus de monde possible voulant dire que même ceux qui ne connaissent pas le sujet pouvaient éventuellement augmenter leur culture en venant voir quelque chose dont ils n'avaient jamais entendu parler. Maintenant que j'ai vu vos affiches, et je peux dire celle de Baltique Méditerranée par exemple, je l'ai comprise parce que vous avez dit qu'il s'agissait de Baltique Méditerranée. Je ne sais pas si je l'avais vu, si vraiment j'avais compris qu'il s'agissait de quelque chose qui concernait et la Baltique et la Méditerranée. Donc la question est la suivante, c'est est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez testé, est-ce que vous croyez que les gens qui voient vos affiches comprennent qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut aller voir? Alors moi, je vais vous dire, l'affiche, déjà, ça sert à communiquer, indéniablement. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous ai parlé d'une affiche bateau sur l'eau.
quand il en a été question. Donc ça s'appelait les chefs-d'œuvre du musée de la Bâtellerie Conflans-Sainte-Honorine. Et ça allait être présenté sur une péniche à quai dans le port autonome de Rouen, là où sont réunis au moment de l'armada, qui fait venir des millions de personnes réellement pour voir les plus beaux gréements qui soient. Quand on a commencé comme ça, je me suis dit, il n'y aura personne dans votre péniche. Hein. Là, on est mal parti. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors déjà, il a fallu changer le titre. Et puis après, il a fallu trouver une image qui soit facile à se souvenir. Et je peux vous dire qu'il y avait une file d'attente pas possible devant la péniche grâce à l'affiche. Et je le sais. Parce qu'on aurait reproduit une maquette de péniche, ça aurait été littéral, vous voyez. Il n'y aurait jamais eu personne. Parce que tout le monde préférait voir les voiliers. Moi, le premier. Hein. Mais on a trouvé une autre façon de faire venir les gens. Après, il y a ce qu'on appelle la diffusion. Et la diffusion, ça, c'est le matraquage médiatique et marketing. Si vous n'êtes pas appuyé par une structure de matraquage médiatique, même la plus belle des affiches passe inaperçue aujourd'hui, parce qu'il faut faire du bruit visuel, il faut être partout, il faut en avoir partout. Et là, c'est sûr que ça marche. C'est la force des grandes marques. Ils en mettent partout. Maintenant, il y a différentes façons, enfin, il y a différents sujets à communiquer. Il est certain que si vous allez faire une affiche de Perrier, bon, bah, Perrier, tout le monde sait globalement ce que c'est. Même chaque année, si vous mettez, je ne sais pas, un petit animal dessus, une bouteille un peu rouge au lieu qu'elle soit verte, c'est toujours Perrier, donc tout le monde va reconnaître parce qu'on connaît les codes. Vous parlez de Baltique-Méditerranée, c'est un sujet compliqué. C'est compliqué à communiquer. Ce n'est pas une chose simple. Ce sont quand même ici des thèmes intellectuels de haut niveau qui sont communiqués. Donc forcément, l'affiche, elle peut pas, elle est déjà sobre. On essaie d'être dans la sobriété, mais elle... Et puis peut-être aussi dans l'émotion. Mais c'est difficile. Enfin, on n'est pas sur des terrains connus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Mais voyez, par rapport à la bouteille de Perrier ou des objets de consommation courante, qu'on reconnaît, etc. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de communiquer que d'autres sujets. Donc, et puis après, il y a la force de frappe de ces affiches. C'est vrai que si on les voit une fois de temps en temps, ça n'a rien à voir que de les voir partout. Quand j'ai fait le saut Hermès, pour vous dire, l'affiche était... Hermès avait la possibilité de louer des colonnes Maurice entières dans Paris, donc sur les trois côtés, avait habillé tous les Champs-Élysées de la Concorde jusqu'à l'Étoile. Ça fait déjà une visibilité très très grande. Et pourtant, les sauts d'obstacles de cheval, ça n'intéresse pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Bonjour, une question, vous parliez d'affiches, je voulais savoir quelle est votre réflexion sur le graphisme, sur des plus petits formats, par exemple les premières de couverture des livres, on est à la Cité du Livre, ou sur les CD. Avant on pensait quand il y avait 33 tours, c'est des super affiches que maintenant on met dans des super emballages de 33 tours qu'on maintenant on met même dans des cadres, c'est culte, et on s'était dit quand le CD va arriver, on va perdre cet objet, et finalement il y a des couvertures de CD qui sont magnifiques. Et quelle est votre réflexion sur cette réduction des tailles ? Mais déjà, moi, je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, un des plus grands graphistes américains qui s'appelait Paul Rand, qui a fait le logo IBM, voyez. Et lorsqu'on lui demandait pour lui, est-ce que c'était une affiche, il dit, bah, c'est un timbre poste dans la ville. Voilà. Vous changez d'échelle, mais en gros, vous mettez, puisqu'une affiche est faite pour être vue dans la rue, bah, c'est la taille d'un timbre poste. Alors, en gros... Une couverture de livre, comme on a les yeux rivés dessus lorsqu'on est dans une librairie, eh bien, on a la même distance, voyez, entre l'affiche qu'on voit quand on est dans une voiture ou en piéton. C'est la même distance, globalement. Donc, la problématique est la même. C'est pas tant la taille. Et je crois, justement, une des difficultés, c'est d'aller dans la réduction. Plus on accumule, plus on ajoute des choses, moins c'est fort. Il faut arriver à épurer, enfin à vraiment trouver cette pureté cristalline, j'ai envie de dire, des éléments qu'on va associer ensemble dans une affiche ou dans une couverture de livre pour la rendre la plus facile à se souvenir visuellement. Donc le format maintenant, après c'est vrai que bon, s'il faut travailler sur des... ça doit être très difficile de faire un timbre, j'en ai jamais vraiment fait. On m'a sollicité pour participer à des timbres événementiels, mais faire un timbre c'est comme faire une affiche. Et pourtant c'est tout petit. Voilà.
Ok, bon. Bah écoutez, nous vous remercions d'avoir... Ah ben je sais pas s'il y en a... Bon, ok, on va finir avec le jeune homme avec la dernière question, puis après on va passer. Oui, dernière question. Quelle est votre police de caractère favorite, même s'il y en a plusieurs, et pourquoi ? Oh oui, il y en a une, je pense. Au fil du temps, c'est le Frutiger. Parce que je trouve le Frutiger qui a été créé par Adrien Frutiger. Adrien Frutiger, qui est un des grands papes de la typographie, un des plus grands créateurs de typographie, toujours vivant. C'est lui qui a créé l'univers, la typographie univers. Et lorsque, je crois, dans les débuts des années 70, il lui a été demandé de créer une police de caractère pour la signalétique de l'aéroport de Roissy. Eh bien, il s'est posé toutes les questions de la lisibilité de près ou de loin, justement, d'un caractère lisible en petit et en grand. Et il a mis au point le caractère qui porte son nom, le Frutiger. Donc, les proportions de ce caractère-là me semblent inégalées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est difficile à décrire parce qu'il faudrait le voir, le comparer à d'autres caractères, mais les lettres sont ce qu'on appelle ouvertes. Donc il y a une fluidité comme ça de la lecture qui s'opère dans un caractère moderne. Donc je trouve que ça fait partie des exercices les plus... un exercice d'équilibriste, hein, les plus réussis et qui donne une fluidité ou une lisibilité maximum. Donc c'est un des caractères que je préfère. Ok, merci. Merci à tous d'être venus pour Philippe. Un dernier mot ou... hein? Un dernier mot? Non, merci. Merci. Ok, merci. Donc je vous rappelle que l'exposition est ouverte à côté et que la fête du livre démarre cet après-midi à 14h. Merci.